Oui, tout le monde a boissé un tukutuku munena, ou de mécanologie boissé un fumoadi, tout Joseph Kabila Kabange, au cas de Muchibanza, Bidi, Bijari Potoka, Balwa, Nuba Munase, Motusotadiba, non Munuse, Mama Social, Mamo Liv Lembe Kabila, ou Vomikala, Momana Kubuela, Nakota Tula Kamukanapa, Tukutuku Mukumo, ou de Mekalo Buela Mulfango, Loa Palais du Peuple, Bidi Bijari Kibo boissé, and Motusotukasem, Bantu Bons, Bafumio Kulukulu, Badin Chaku Fekesha, Balboise, Muyuki Munena, ou Vomu. Njila kudibana ba mwene ditunga, toni bari kumatunga akubabenda, bafobi njila ba kumanya se lelu, chikalibu nchia kwa kula nchini kudifumwa ditunga Joseph Kabila Kabange, kaji bumu fayimu njila, ukaji kwanza tusus, yeye nkayenda nye yewu, ukaji mpinjila uni cha kudibuelela, muzubu, mulupangu, lapalidi peplo, mba kumwana mshindu, wakweza base, bakavumana kwa kula, kujilaoke nga dondo, hamwa nyo bimina, bobu, vikala, badibalombo la chima muenda wa bukalengu na kule oke nga dondo umana kuikala mwaku na mshadika se badine chakupa tuka kwa kungila fumwadi tunga kaimutu ulamei fumwadi tunga nyewu wabili mpindio mulfango wa palidi peplo wakumu na mshindu wakuma kijilabu niye kwa kula mulubu ujimuikala mtu wajilabana baditunga ya Kongo Democratic. C'est bien l'arrivée du cortège présidentiel ici au Palais du Peuple, très chers téléspectateurs, à l'heure prévue par le protocole. Visiblement, Joseph Kabila nous a habitués au respect de l'heure depuis son accession à la magistrature suprême. C'est une vertu cardinale qui échappe à beaucoup de personnalités. Le respect de l'heure, c'est la classe, c'est l'honneur, c'est la dignité, c'est la responsabilité, c'est la considération qu'on a pour son peuple. À ce niveau, Joseph Kabila excelle. Cette exemplarité, allais-je dire, doit être pastichée par beaucoup de compatriotes, car on comme disent les Anglais, l'heure c'est l'heure, avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est plus non plus l'heure. Le temps donc est de l'argent. Le président de la République descend de son véhicule qui sera bien sûr accueilli, qui est accueilli par le comité restreint. Voilà, il traverse, il est sur le tapis. Il est sur le tapis et bientôt il y aura des honneurs militaires qui lui seront rendus par un officier de la garde présidentielle, garde républicaine. De loin, nous ne saurons pas dire si ce militaire à quel grade est-ce un major, est-ce un colonel, est-ce un capitaine. En tout cas, l'essentiel, c'est ces honneurs qui seront rendus au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, nous revenons dans la salle, majoré. Mais oui, voilà. J'aurais aimé qu'on rentre d'abord au niveau de l'extérieur pour suivre les honneurs qui sont rendus au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République et le chef d'État, Joseph Kabila. Les honneurs militaires lui rendus. Pandeke, comme on a encore Joseph Kabila Kabange, à Silbongo, Koingela, au Libanda et à Palais du Peuple, dans le Lingue, à bien Kibongo, dans ma solo, la salle n'est pas posée à la Sénèse, à l'Assemblée nationale, et que à Kabange, qui est sur le Lingue, qui est sur le Lingue, qui est sur le Lingue, Je suis un peu plus de temps.
Déjà le 23 juillet à 2018, Mamie Lela, déjà il y a dépôt des candidatures. Il y a bas député, il y a président de la République. Donc, et sans recommune à Saïfora, j'ai pas aimé dans Zembonaïe, Donc, tant ils allaient sous ce bel été. Bientôt, ça sera les dépôts de candidature, très chers téléspectateurs, des députés nationaux au niveau de législative et du candidat président de la République. Je vous dis nous vivons des moments extraordinaires ici au palais du peuple. Vous aviez vu tout à l'heure le président de la République prendre les escaliers du palais du peuple en courant. C'est une détermination. Et c'est tout, il a dégagé toute sa jeunesse pour montrer à la face du monde qu'il est il est fort. Et le président était de bleu vêtu et cassé par une chemise blanche. En tout cas, il est bien habillé. Il a respecté vraiment les couleurs et c'est aussi le rôle des services qui l'entourent, parce qu'il doit minutieusement tenir compte de sa tenue à des pareilles circonstances. Et nous avions vu le président de la République impeccablement très bien habillé et en super forme, vous l'aviez dit. Il s'est retiré certainement dans ses bureaux pendant quelques instants, nous l'avions dit, nous l'avions présagé. Il s'est retiré pendant quelques temps et d'un moment à l'autre, il fera son entrée dans cette salle de congrès pour prononcer les discours, parce qu'au niveau de la plénière a déjà été tenue. Aussitôt arrivé, on va donner la parole au président de la République. Il va se mettre devant cette tribune que vous voyez là devant sur le petit écran. Et c'est à partir de là qu'il va prononcer. Là où il y a l'armoirie
de la République démocratique du Congo. C'est à partir de là qu'il va prononcer les discours pour faire l'état de la nation tout à l'heure. Mais le bureau commence déjà à regagner la salle de congrès. Léon Kengo Wadondo et Aubin Minaku font leur entrée dans cette salle de congrès. Ils les laissent juste le président de la République quelques temps et annoncer officiellement l'arrivée du chef de l'État, l'arrivée du garant de la nation dans cette salle de congrès du Palais du Peuple où le monde entier le suit pour prononcer son discours en faisant l'état de la nation. En tout cas, tout le monde est mobilisé pour suivre attentivement ce que va dire Joseph Kabila tout à l'heure au peuple congolais. Blaise. Ma tout domingue, bampongue le zolo, botuke le kaka awa, na palais de peuple, qui sika 15 diane, qui sa salaman, qui le boucle un peu de congrès, yame fouki sa ba député na ba sénateur, quand c'est le fond à zébati, boubou amok sa moni sa congrès, en gomme sa salaman, le tadi sou, ya, tadi si ya di souk ya zolo, mbouta, Léon, Kengo, Wadondo, yine me kousa tendou la penza, Betonyo soki na kati ya kuvingira kusa zaba pe kuwa ndinga ke kusa pesa na penza na mfumu ya insi kan si bitu fana za sabiroti bisiru ya insi kusa tamula mutino musi ya mbote mingi penza ya bana ya insi na kati ya kuindura ya mita mingi bisiru ya kupona mampamba ke kupona mampamba na subitila mutino musi ya mbote na kilumi ya makumi zoni na tatu ya ngonde ke na yahu wapi bantu ya insi ya kizuzi bagina kusa sura tiba kusa pona ba wai kusa bikisa babazine na bau na sina sini kikusa mwini sampi mfumu ya insi takuna bikisa mazine na bau na sini isa mtiba kusa pona bau kivuvu kile tibi sila kupona makusa utina mtini mwusi ya mbote ya uina kintuwele tibeto tibeno mtini mwini katoko kumwana na bifikula ukota ya mfumu ya insi amikusa bema kusa zabatika mifu na zabati yo kile ambala ntambwati mfumu ya insi kikusa mwunisa na insi na kusa utumumote penza na kati ya inzo ya kizonzi na mvula mwusi kikusa sama mbala mwusi yini ya mfumu ya insi kikusa tubila ya u mfumu ya insi kikusa tubila na mestola ya kwangu pamba ve ya ukile mwusi ya mkusa tubaba na kati ya misiku ya insi zi mfumu ya insi kwa mwunana na kwangu mbala mwusi sama na kusa tubila penza kongre na yani bampange luzulu betu kele mingi kintuwa ditu bampangi wapu mefutu na nzinga na mpangi blinzi buku kia kisa tundula betu na nzinga lumputu nini mtunde kisa lusira na bampangi yankaka kina baisi ya banzenza. Une seule question, qu'est-ce que Joseph Kabila va dire lors de son message pour faire l'état de la nation? Question sur les lèvres de chaque personne qui est ici dans la salle. Vous remarquez que l'ambiance est vraiment très sereine. Les gens sont là, chacun se pose cette question, on ne sait pas. Mais ce qui est vrai, je sais, ce qui est vrai que l'état de la nation, comme je l'ai dit au début de cette intervention, concerne tous les secteurs de la vie nationale. Il aura certainement parlé des élections, il aura certainement parlé de la vie politique, il aura certainement à parler des efforts fournis et dans la réhabilitation des infrastructures routières, et il aura certainement à parler de la santé, de l'éducation, mais ce qui est vrai est que pendant cette période, la question cruciale qui préoccupe chacun de nous, c'est bien la tenue des élections provinciales, législatives et présidentielles. Alors, d'autres peut-être se posent la question de savoir quel sera l'avenir politique du chef de l'État. Question difficile. Personne ne vous répondra à cette question, même pas nous, les journalistes. La seule personne qui est habilitée à répondre à cette question, c'est bien le chef de l'État, le président de la République, Joseph Kabila. Nous le saurons tout à l'heure lors de son intervention ici au Palais du Peuple, dans cette salle de congrès où sont réunis sénateurs et députés en congrès pour suivre bien sûr les discours du président de la République qui fera l'état de la nation d'Akemaomba. Accenti wa faswa penzi
daraza kubwa ya pale di peple imeja na watu wengi wateule na wanaseneti wanaojikusanya katika kongresi waalikwa ni wengi zaidi sisi wote kimya kwa ajili ya kungojea kuingia kwa rais wa jamhuri bwana Joseph Kabila ambaye amekwisha hivi kufika kunako pale di peple muliza hivi kufata alipokelewa na viongozi wawili wa bunge bwana Leon Kengo Wadondo presidenti wa baraza la wazee na bwana Obeminaku presidenti wa baraza la wateule wamekwisha hivi kurudi katika baraza na kujipanga kunako tribunal sasa wameendelea hivi kuongojea kuingia kwa rais wa jamhuri katika daraza kubwa gisi bwana Blaise Bokokia kaweza hivi kusema wengi wamejiuliza baba taifa atasoma hotuba atasema nini ndio nukta ni moja tu hotuba utakaosomwa na rais wa jamhuri kuhusu hali za taifa. Hali za taifa ni sekta mbalimbali jinsi aliweza vile vile kusifasiria ikiwa kuhusu siasa, ikiwa kuhusu jamii, ikiwa kuhusu uchumi, usalama na kadhalika na vile vile kuelekea uchaguzi ambao sisi yote tumeendelea hivi kuchunga na kutakia kwamba kuwa tulivu ya tarehe 23 Desemba mwako tunayo. Joto ni kubwa zaidi kila moja katika daraza ni kimya zaidi kwa ajili ya kuongojea kuingia kwa rais wa jamhuri ambaye atasoma hotuba kufatana na kifungu 77 ya katiba ya kusema kwamba mara moja kwa mwaka rais wa jamhuri anatubia mbele ya wateule na wanaseneti kujikusanya katika kongresi sisi yote tu, ndio baba taifa ambaye ameshindikizwa na Mlenge Kabila wameingia sasa kwa dakika chache katika daraza. Maomba, nous vivons un moment pathétique. Un moment pathétique. Et regardez ces images, les présidents de la République à côté. Et sa madame, son épouse, Marie-Olive Lembe Kabila, qui vont bientôt faire leur entrée dans cette salle de congrès. C'est un grand moment pour nous, journalistes, de couvrir telle cérémonie. C'est vraiment un honneur de vivre en live ce qui va se passer aujourd'hui ici au Palais du Peuple. L'ambiance est sereine. Le président fait son entrée dans cette grande salle du Palais du Peuple avec à ses côtés Madame Marie-Olive Lembe Kabila, son épouse, la première dame, est ovationnée par les gens qui sont au niveau du balcon et applaudie par les invités et qui sont au niveau de cette salle de congrès du Palais du Peuple. Le président, vous voyez, avec son épouse, va bientôt récupérer sa place. Et voilà, le moment est solennel, hein. Sincèrement, c'est solennel. Et le président qui va bientôt prendre sa place, l'est-on juste au président de cette séance de prendre la parole pour inviter le chef de l'État à prendre la parole, à s'adresser à la nation au travers de ce congrès du Parlement, deux chambres réunies du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. L'ambiance est bonne. Très serein ici au niveau du Palais du Peuple, le président debout sur sa chaire et avec un regard attentif, avec toutes les responsabilités qu'il a et qui va bientôt s'adresser à la nation congolaise. C'est un moment pathétique, très chers téléspectateurs, que nous sommes en train de vivre ici au niveau du Palais du Peuple. Bientôt le président du Sénat, qui préside cette séance du Congrès, va prendre la parole pour demander au chef de l'État de parole pour annoncer son discours. Mais bien avant, ce sont des honneurs qui sont avant la cérémonie. Veuillez vous asseoir, monsieur. Tout à l'heure, nous nous posions la question de savoir qui de Obeminaku et de Leon Kengo Wadondo va présider cette séance. Eh bien, il n'y a plus de doute possible, c'est bien le président du Sénat qui préside cette séance plénière, une séance historique dans l'histoire, dans la vie politique de notre pays, car le président va s'adresser à la nation. La séance est reprise. Honorables membres du Congrès et chers collègues, à présent, nous abordons le deuxième point de notre ordre du jour, relatif à l'audition du discours du président de la République
sur l'état de la nation. Monsieur le Président de la République, à l'occasion de votre adresse à la nation, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de tous les honorables membres du Congrès, la bienvenue dans ce beau cadre du Palais du Peuple. Le présent Congrès est convoqué conformément aux articles 77 et 119 de la Constitution. Il est consacré à l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Le peuple congolais a hâte d'écouter le président de la République à 5 mois des prochains scrutins. Sans anticiper sur les questionnements du peuple congolais et sur les réponses du chef de l'État, je vais affirmer que celui-ci connaît ses préoccupations et les réponses à apporter. Le discours sur l'état de la nation est un événement important pour la collectivité. Il fait l'état des lieux de la cité en même temps qu'il présente les perspectives de son avenir. Sans désemparer, je laisse la parole au président de la République pour son adresse au peuple congolais. Alignez vous. Gardez vous. Au centre. Portez armes. Musique. Pourquoi est-ce que je sens qu'il y a une petite tension dans la salle? Je sais pourquoi il y a une tension dans la salle, cette petite tension. Vous voulez bien savoir pourquoi? C'est précisément parce qu'il y a dans cette salle ceux qui pensent qu'aujourd'hui, coûte que coûte, impérativement. Quelque part dans mon discours, je dois dire, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion. Il y a 28 ans, et je ne vous dirai pas, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion, mais ça sent plutôt, mesdames et messieurs, comprenez ma passion pour le Congo. Honorable président du Sénat, honorable député le sénateur, distingués invités, mes chers compatriotes,
Pour la 11e fois, depuis l'entrée en vigueur de notre loi fondamentale, je me fais le devoir de rendre compte à notre peuple sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Je suis particulièrement heureux que cette tradition induise en elle-même aujourd'hui la paix, la stabilité politique et économique qui règne sur le territoire national, fruit du dur labeur et des énormes sacrifices consentis, nuit et jour, avec le soutien de toutes les institutions de la République, afin que l'héritage nous légué par nos aïeux se consolide et vive à jamais. Sur les ruines héritées de la deuxième République, des agressions et des rébellions successives qui, depuis 1998, avaient dangereusement menacé l'intégrité territoriale de notre grand et beau pays, désarticulé ses structures politiques et socio-économiques et plongé notre peuple dans une misère indescriptible. Nous avons réussi, par la conjugaison des efforts de tous, à faire émerger un État moderne, uni, démocratique et en pleine croissance économique. Qui aurait cru que la République démocratique du Congo, qui était devenue la risée du monde, dont on ne parlait plus qu'au passé, parce que quasi inexistante dans le concert des nations, et qui était vouée en tant qu'État à une disparition programmée et certaine, pouvait, grâce aux efforts conjugués ensemble, rebondir sur la scène internationale au point d'être aujourd'hui, au plan géostratégique et économique, le centre de toutes les convoitises, des intrigues diplomatiques, voire même de complots sordides. Mes chers compatriotes, je voudrais saluer ici la ténacité et la détermination avec lesquelles vous avez choisi de m'accompagner pendant toute cette période particulièrement difficile de l'histoire de notre pays, où en dépit d'une adversité tout aussi soutenue, nous avons œuvré et continuons à œuvrer ensemble pour réaffirmer haut et fort notre indépendance, notre souveraineté et notre vouloir vivre collectif. Dire non à la balkanisation de notre pays et à l'ingérence sous toutes ses formes. En dépit de nos différences d'opinion politique et de notre diversité ethnique, dont déjouant les calculs de nos adversaires, nous avons plutôt fait un ferment sans pareil de l'unité nationale. Ensemble, nous avons réunifié notre pays, hier divisé, mis en place les institutions transitoires inclusives, permis à doter notre pays par référendum d'une constitution et instauré la démocratie en organisant en 2006 les premières élections pluralistes véritablement libres, démocratique et transparente de notre histoire. Avec le même élan et la même détermination, j'ai également consacré avec votre concours actif l'essentiel de mon énergie, 12 ans durant, à installer tous les dispositifs institutionnels posés par notre Constitution.
et en assurer le fonctionnement régulier et harmonieux au niveau tant national, provincial que local, sans omettre les institutions d'appui à la démocratie. Dans cette perspective, la réforme de l'État engagée depuis 2015 nous a permis de donner une âme à la décentralisation territoriale à travers l'installation de 15 nouvelles provinces qui sera très bientôt complétée par la mise en place de la Caisse nationale de péréquation. Parallèlement, la justice de notre pays a connu quant à elle un coup de fouet à travers l'éclatement de l'ordre juridictionnel existant en deux ordres de juridiction, judiciaire et administrative, coiffés respectivement par la Cour de cassation, le Conseil d'État, en plus de la Cour constitutionnelle. Quant à notre administration publique, elle est soumise à une cure d'amaigrissement, de rajeunissement et de modernisation à travers le contrôle des effectifs et de la masse salariale, ainsi que la mise à la retraite honorable de ceux ayant rendu de loyaux services à la nation. Il en est de même de l'organisation de concours d'admission sous statut et de la formation de jeunes recrues par notre École nationale d'administration, fruit de la réforme engagée depuis une dizaine d'années, qui doit conduire notre appareil administratif à l'éclatement entre la fonction publique nationale et provinciale. D'autres réformes institutionnelles importantes doivent encore être engagées dans tous les secteurs de la vie nationale afin d'assurer et d'améliorer davantage la gouvernance politique et administrative du pays. Mes chers compatriotes, fort de cette renaissance de l'État, je me suis employé à créer des conditions favorables au décollage d'un Congo économiquement fort et prospère, où la lutte contre les inégalités et la pauvreté constitue désormais la principale mission assignée au gouvernement. Là aussi, le pari paraissait impossible, car au plan économique, nous avions hérité également d'une situation catastrophique. Au cours de la décennie 90, nous étions en effet plongés dans un véritable gouffre en raison d'un marasme économique caractérisé par une dépréciation monétaire de plus de 90%, un taux d'inflation à 4 chiffres, qui à un moment a dépassé le seuil de 3000%. Le déficit chronique du compte général du Trésor et la chute vertigineuse des recettes publiques au point d'en arriver à des prévisions budgétaires insignifiantes de 300 millions de dollars américains en 2001, c'est-à-dire au moment même où tout été à reconstruire en priorité et en urgence. Fort heureusement, après avoir pacifié et réunifié le pays, j'avais proposé à notre peuple un programme économique indicatif, un programme financier intérimaire sans soutien extérieur, avec pour objectif la stabilisation du cadre macroéconomique, ce qui a permis de casser l'hyperinflation et d'assurer la stabilité du taux de change, de réduire les déficits du compte courant
extérieure, de résorber les arriérés de la dette extérieure et d'amorcer les réformes de la première génération. Assorti d'un plan de reconstruction axé sur les 5 chantiers prioritaires à impact direct sur la relance de notre économie et le social de nos compatriotes, ce programme avait pour ambition de mobiliser les Congolais autour de la nécessité de nous remettre au travail en vue de recréer la richesse nationale et d'assurer la satisfaction de nos besoins de base, à savoir les infrastructures, l'éducation et la santé, l'emploi, le logement, l'eau et l'électricité. Mes chers compatriotes, grâce aux efforts de tous, nous avons conjuré le sort de nombreuses vies passées sur certaines routes d'intérêt national, en restaurant l'autorité de l'État, en réunifiant notre territoire à travers un programme de réhabilitation d'un réseau routier minimal de près de 23 000 km. Devant régler l'ensemble des chefs-lieux de province, assorti de la modernisation de la voirie de ces derniers. L'exécution de ce programme se poursuit à ce jour et a atteint 27 000 km de réseau routier praticable, dont 24 480 en terre et 3 400 revêtus, au moyen de matériel et des équipements acquis, dont nous avons doté l'ensemble des brigades provinciales de l'Office de route, avec l'accompagnement de certains partenaires bilatéraux et multilatéraux. À cela s'ajoute l'amélioration de la navigation sur le fleuve Congo à la faveur des unités flottantes construites ou réhabilitées, la relance du trafic ferroviaire grâce à l'acquisition de plusieurs locomotives et voitures pour la Société nationale des chemins de fer et de la Société commerciale de transport et de port, la relance de la compagnie nationale aérienne, la restauration du parc automobile de transport en commun, public et privé, la construction ainsi que la réhabilitation de nombreux hôpitaux, centres de santé, écoles, le tout selon la vision de la révolution de la modernité. Aussi, en vue de réduire notre déficit criant en matière énergétique et améliorer le taux de desserte en énergie électrique, de nombreux chantiers ont été ouverts à travers le pays, allant de la réhabilitation des turbines de la centrale d'Inga à l'implantation des microcentrales hydroélectriques ou solaires, en passant par la construction des barrages de Zongo, de Kakobola et de Katende, dont les travaux sont en séjour à l'étape du lancement de la construction des lignes de transport et distribution, sans compter des structures semblables financées par le secteur privé. Ce faisant, nous assumons également notre part des responsabilités dans la lutte contre les effets néfastes du réchauffement climatique, dont nous sommes victimes, et réitérons notre volonté de garder notre leadership dans la gestion de cette problématique au plan régional et international en tant que deuxième massif forestier du monde. Mes chers compatriotes, l'État
ne pouvant pas avoir la prétention de régenter l'ensemble du processus de développement de notre pays, nous avons résolu par ailleurs d'engager des réformes structurelles volontaristes de notre secteur économique. Conséquence de l'option de la libéralisation de l'économie, levée depuis l'an 2002, afin d'offrir l'opportunité au secteur privé de participer à l'effort du redressement national. Ainsi, à la faveur de lois votées par les deux chambres du Parlement, des secteurs comme ceux de l'électricité, des hydrocarbures, des mines, des télécommunications et récemment celui des assurances ont été libéralisés. Parallèlement à la réforme des entreprises publiques, de nombreux textes législatifs et réglementaires concourent également aujourd'hui à la promotion de la concurrence ainsi qu'à l'amélioration de la gouvernance et de la transparence, notamment dans le secteur forestier, minier et pétrolier. Le nouveau code des investissements et celui des marchés publics, la loi sur les tribunaux de commerce et les textes réglementaires mettant en place les différentes structures de régulation et de facilitation tels que les guichets uniques du commerce extérieur et celui de la création des entreprises ainsi que l'ANAPI ont pour vocation d'améliorer le climat des affaires, de stimuler l'investissement national et d'attirer les investissements étrangers. La loi sur le crédit bail, celle sur le régime des zones économiques spéciales, ainsi que celle sur le partenariat public-privé que je viens de promulguer, permettront par ailleurs la mise en place d'un meilleur cadre de collaboration entre les investisseurs privés et l'État dans la réalisation d'importants projets de développement. Honorables députés, les sénateurs, mes chers compatriotes, aujourd'hui, il y a lieu de se réjouir que toutes ces réformes auxquelles il faut ajouter le récent code minier et le nouveau dispositif fiscal et parafiscal qui a pour objectif la rationalisation de la collecte de ressources de l'État et qui a abouti à la suppression des taxes au niveau national et provincial redondantes et superflues et porter le fruit escompté. De 3 milliards de dollars américains en 1960 et 14 milliards de dollars en 1997, notre PIB nominal est ainsi monté ce jour à 50 milliards de dollars à la suite de la croissance économique dont le rythme est passé pendant la même période de 1% en 1960, moins de 5% en 1997 pour atteindre 4,2% cette année. Après avoir frôlé les deux chiffres il y a seulement 4 ans, soit un taux supérieur à la moyenne de celui de toute l'Afrique subsaharienne, situé à 2,7%. Quoique encore insuffisant, au regard des légitimes ambitions du Grand Congo, le budget de l'État en ressources propres, qui était de 25 millions de dollars
en 1960 et 581 millions de dollars en 1997 est remonté aujourd'hui à plus de 4,6 millions de dollars américains. Alors que les réserves internationales sont-elles passées de 62 millions de dollars en 1960 à 62,8 millions de dollars en 1997 avant d'atteindre 1,150 millions de dollars en 2018. Cette heureuse perspective, est consolidée par le redressement du solde brut d'opinion favorable des chefs d'entreprise, passé à près de 18% en mars de cette année, contre moins de 14% en décembre de l'année passée. L'inflation annuelle a été contenue à un niveau raisonnable de moins de 10%, tandis que le déficit budgétaire a été totalement résorbé grâce au redressement des recettes de l'État et l'amélioration substantielle des réserves d'échange. Mes chers compatriotes, il reste évident que l'amélioration et la stabilité du cadre macroéconomique du pays a eu un impact positif, notamment sur les masses laborieuses. C'est ainsi qu'à titre indicatif, la rémunération la plus basse de fonctionnaires d'État est passée de 35 000 francs congolais en 2010 à 129 000 francs congolais en 2018. Et celui du rang le plus élevé, de 61 000 francs congolais à 1 400 000 francs congolais. Pour la même période, dans le secteur privé, le traitement des agents et cadres est passé de 300 à 1 000 dollars américains pour les cadres moyens et de 1 500 à 5 000 dollars pour les plus élevés. Quant au taux de desserte en eau potable, il est passé en milieu urbain de 45% en 2001 à 53% en 2017, grâce à la construction ou au renforcement de 7 stations de traitement, plusieurs forages et 4 captages de sources. Dans le secteur de l'éducation, primaire et secondaire, le nombre d'enfants scolarisés est passé de 10 millions en 1997 à 22 millions en 2018, soit un taux d'accroissement net de plus de 100%. Le nombre d'enfants à l'âge de scolarité pour un taux de mécanisation des enseignants de 75 contre 40% en 1997. Au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, le nombre d'étudiants a connu un taux d'accroissement triennal de 140% de 2006 à 2018. Dans le domaine de la télécommunication, le taux de la couverture nationale est passé de 5% en 2001 à 50% de la population en 2018. Tandis que le nombre d'abonnés est passé de moins de 100% en 2001 à 36 millions d'abonnés en 2018. Et le taux de couverture en fibre optique est passé quant à lui de 0% en 2001
à 20% cette année. Quant au secteur de l'emploi, le taux de chômage de la population active a connu de 1997 à ce jour un taux de réduction de 15%. Et dans le domaine de la santé, grâce aux efforts déployés depuis 2001, les tendances de la mortalité qui étaient très élevées ont été inversées. Ainsi, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 213 pour 1000 naissances vivantes en 2001 à 104 pour 1200 naissances vivantes en 2014. Et le taux de mortalité maternelle a aussi substantiellement reculé, passant de 1200 pour 100 000 naissances vivantes en 2001 à 846 pour 100 000 naissances vivantes en 2014. Honorables députés, mesdames et messieurs, ces résultats sont dus, entre autres, aux différents programmes et projets initiés au cours de cette période, notamment celui de la réhabilitation et de l'équipement des structures sanitaires financées jusqu'à ce jour sur ressources propres à hauteur de 100 millions de dollars américains et qui a couvert 1000 centres de santé et 132 hôpitaux généraux de référence, en même temps qu'étaient lancés les travaux de construction de 1000 autres centres de santé, dans l'optique de doter chacun de 145 territoires du pays d'au moins un centre de santé moderne. C'est aussi grâce à cet investissement et à l'expertise accumulée pendant plusieurs années par les cadres nationaux, dont la contribution a été en son temps fortement appréciée sur le continent, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, que la riposte en un temps record contre les dernières épidémies de la maladie à virus Ebola de Mweka en 2007 à Bikoro cette année a été rapide, bien organisée et efficace. J'en profite pour saluer la contribution, notamment sous la forme d'accompagnement logistique, dont nous avons bénéficié de partenaires extérieurs à l'occasion de ripostes organisées contre ce fléau. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, n'en déplaise à ceux qui ne voient que ce qui reste à faire, mais jamais ce qui a été fait. Tous ces résultats ont dû pour incidence la progression de l'indice de développement humain en République démocratique du Congo, particulièrement depuis 2016, en témoigne le rapport du PNUD d'avril de cette année sur la situation économique dans notre pays. Cependant, en dépit de ce résultat, il reste vrai qu'en termes de perspective, les conditions sociales de nos populations demeurent globalement préoccupantes en raison du seuil important de pauvreté, particulièrement en milieu ruraux et semi-urbain. Et ils devront donc rester au centre de toutes nos politiques publiques. À cet effet,
en plus des efforts en cours tendant à pouvoir dans l'immédiat aux besoins essentiels de notre population, il me semble urgent d'œuvrer dès à présent à la maîtrise du taux de croissance démographique en mettant en place une politique courageuse de planification familiale qui nous permettra, dans le moyen terme, d'accéder aux dividendes démographiques en vue d'une croissance intégrée de notre pays. De même, les progrès incontestés dans le domaine de la scolarisation de nos enfants ne devaient pas occulter la nécessité de nouveaux investissements à faire en vue d'améliorer la qualité et l'efficacité de notre système éducatif. Il en est de même de la lutte contre le chômage des jeunes qui devrait se poursuivre à travers la formation professionnelle de manière à stimuler l'esprit d'entrepreneuriat à nos enfants pour qu'à leur tour, avec les talents dont le bon Dieu les a dotés, ils participent à la création de la richesse nationale. Dans cette lutte, la loi sur la sous-traitance constitue avec le Fonds national de l'entrepreneuriat de jeunes, qui va bientôt prendre corps, un complément nécessaire aux efforts en cours de placement menés par l'Office national de l'emploi. Au plan économique, la pérennité de notre croissance sera tributaire des engagements additionnels en matière de diversification de notre économie, à travers principalement la relance de l'agriculture, spécialement dans les filières de produits d'exportation à forte dose de valeur ajoutée et le développement de l'industrie, y compris touristique. Elle sera également fonction de la poursuite de réformes structurelles, structurantes, notamment au plan fiscal, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et de l'environnement sécuritaire. Elle sera fonction, enfin, de notre ténacité dans la poursuite des différents chantiers ouverts dans le cadre de la modernisation des infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires, ainsi que les plateformes logistiques aux postes frontières qui facilitent l'ouverture de notre pays à l'économie mondiale et son retour en force sur les différents marchés internationaux, notamment des matières premières et agricoles. C'est la satisfaction de cette triple exigence qui permettra à notre pays de se mettre définitivement à l'abri des soubresauts de cours de matières premières. Mes chers compatriotes, la sécurité et la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, voilà justement un des sujets majeurs qui ont figuré en bonne place sur la grille de mon action au cours de ces 17 dernières années. Elle devra demeurer une des priorités du pays, et ce pour des raisons évidentes. La position géographique de notre pays, au centre du continent, partageant neuf frontières avec des voisins directs, la diversité d'opinions politiques et la pluralité de nos tribus sont certes des atouts, mais aussi malheureusement des leviers sur lesquels les ennemis du Congo agissent régulièrement
pour tenter de le déstabiliser, de le diviser et de se donner le moyen d'en exploiter les nombreuses ressources à ses dépens. Face à cette réalité, il paraît indiqué de continuer à privilégier une politique étrangère de bon voisinage, assumant ainsi notre part de responsabilité au plan de la stabilité régionale. De même, le Congo devra rester un pays ouvert, mais entretenant des relations décomplexées avec tous les autres pays du monde. Cela dit, toute naïveté dans ce domaine est suicidaire. Voilà pourquoi il faudra poursuivre résolument la formation et l'équipement d'une armée moderne et disciplinée. Il en est de même de forces de police et de sécurité. C'est grâce à ces forces que les situations de tension que nous avons connues dans la partie centrale du pays, dans l'Ituri, dans le Sud Kivu et dans le Maniema sont aujourd'hui maîtrisées et sous contrôle. C'est aussi par elles que se poursuit encore avec détermination et que se poursuivra la lutte contre le terrorisme dans le Nord Kivu, et ce jusqu'à l'éradication totale de ce fléau. Ce dispositif de la défense de la patrie, fruit d'une réforme engagée depuis 2007, est aujourd'hui un véritable rempart contre toute agression et toute forme d'atteinte à notre sécurité intérieure. Que tous ceux qui servent la nation au sein de ce corps, souvent au péril de leur vie, reçoivent à nouveau l'hommage et la reconnaissance méritée de tout notre peuple. Il me semble également nécessaire de redonner à notre justice son vrai rôle de régulateur de la vie sociale et de protecteur de l'ordre public, afin que l'impunité soit conjurée à jamais et que cesse la banalisation, fût-elle au nom de considérations politiques, des valeurs essentielles de notre société protégées par la loi pénale. Il est temps que cesse, dans cette optique, toute indulgence, sinon tout laxisme, à l'endroit de ceux de magistrats qui, au lieu d'honorer leur serment, se détournent de leur vocation pour devenir de vrais facteurs d'insécurité judiciaire au sein du corps. Oui, il est temps, plus que temps, que grâce aux réformes et changements opérés, la soif de la justice fortement ressentie par notre peuple soit étanchée et que ceux qui ont choisi de faire les affaires dans ce pays aient pleinement foi en notre système judiciaire. Honorables députés, honorables sénateurs, mes chers compatriotes, dans le même ordre d'idées, je me suis employé au plan politique à promouvoir les idéaux de la démocratie, du patriotisme et de l'indépendance nationale pour lesquels Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et nous Laurent Désiré Kabila ont payé de leur vie
en m'assurant que les libertés publiques ainsi que la participation politique de tous telle que garantie par la Constitution et les lois de la République soient exercées en vue d'une seule finalité, à savoir libérer les énergies positives en vue de la cohésion nationale et du développement de notre pays. Aujourd'hui, notre modèle démocratique a fait ses preuves et tous ceux qui tentaient de s'improviser en donnant des leçons l'ont bien compris. Le Congo, la République démocratique du Congo, n'ayant jamais donné de leçons à personne, il n'est pas disposé à en recevoir dans ce domaine. Et surtout pas de la part de ceux qui ont assassiné la démocratie dans ce pays et ailleurs. Je me dois de rappeler à ce sujet que ce ne sont ni des accusations gratuites et infondées, ni des pressions ou menaces inconsidérées, et encore moins des sanctions arbitraires et injustes qui nous détourneront de la voie que nous nous sommes pourtant tracés nous-mêmes volontairement et librement. Le cap des troisièmes consultations électorales fixées en décembre prochain reste donc maintenu. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque. Il s'agit pour nous d'abord d'honorer le sens de notre lutte, ce pourquoi nous nous sommes tant sacrifiés avec tant d'autres compagnons. Tomber sur le champ d'honneur et à savoir redonner la parole longtemps confisquée à notre peuple et libérer ses énergies en vue de rebâtir un pays souverain et indépendant. Mesdames et messieurs, c'est pour les mêmes raisons que nous avons tenu également à affranchir notre processus électoral des contingences de financement extérieur et par conséquent de chantage. Et par conséquent de chantage de tout genre afin de créer les meilleures conditions pour notre peuple de conférer sa pleine légitimité à ceux et celles qui sortiront vainqueurs de ces consultations. Je réaffirme donc que désormais, les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État congolais. Loin de relever de la suffisance, encore moins de l'arrogance, il s'agit plutôt d'une option politique responsable
qui donne un sens à notre indépendance et à notre dignité nationale. Et à cet effet, j'en appelle à la vigilance et au patriotisme de la classe politique, toutes tendances confondues, afin que les prochaines élections, ouvertes du reste à tous ceux qui en réunissent les conditions légales d'éligibilité, soient un moment de célébration de la cohésion et de l'unité nationale. Que seul le Congo puisse sortir vainqueur de ces consultations afin que vive la paix, la stabilité, l'unité et le développement de notre pays. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes, si la traite négrière, la colonisation, les sécessions, les agressions et les multiples rébellions n'ont pas eu raison de lui, grâce à l'aide de Dieu et à la détermination de tous ses fils et filles, le Congo vivra à jamais comme nation libre et comme État souverain indépendant. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, je vous remercie. Termine à 16h25. Aucun secteur de la vie nationale n'a été épargné. C'est comme si, au début de notre intervention, on s'était concerté avec le président de la République. Plusieurs points évoqués par le chef de l'État, nous l'avions parlé, parce que nous sommes des journalistes, observateurs avertis de la vie politique et de la vie sociétale. Honorables membres du Congrès et chers collègues, vous venez de suivre le discours du président de la République sur l'état de la nation. Je rappelle que conformément aux dispositions de l'article 77 de la Constitution, le message du président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies au Congrès ne donne lieu à aucun débat. Au nom de tous les membres du Congrès, nous remercions sincèrement le président de la République de son message. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est élargie. Séance élargie. Bravo! Hymne national. Allez. Vous, au centre, présentez par thank you.
voilà, tout est bien, qui finit bien, très chers téléspectateurs. Je disais que c'est comme si nous, on s'était concerté avec le président de la République, parce que beaucoup de sujets évoqués par le chef de l'État, nous l'avions dit avant même qu'il ne prononce son discours. C'est ça le rôle d'un journaliste, parce qu'il doit être un observateur averti de la vie sociétale, la vie politique de son pays. Nous en sommes fiers que le chef de l'État ait évoqué beaucoup de points que nous avions relevés avant son intervention. Le président de la République, c'est la 11e fois qu'il intervient pour faire l'état de la nation. C'est vraiment un discours bilan, hein, pratiquement. Il est parti d'une étude comparative de ce qui s'est passé avant, jusqu'en 97, de 97 jusqu'en 2001, quand il a accédé au pouvoir, et de 2001 jusqu'en 2010. Pratiquement un bilan dans tous les secteurs de la vie nationale. Aucun secteur n'a été épargné. La sécurité, la balkanisation du pays, le pays unifié, l'installation des nouvelles provinces, l'éclatement de l'ordre judiciaire, juridictionnel, les routes, la voirie, les réseaux ferroviaires, avec l'acquisition de plusieurs locomotives, la relance de la compagnie nationale aérienne, l'économie, la diplomatie, l'armée, la police et les services de sécurité, la politique, la justice et enfin les élections. Le président de la République n'a épargné aucun secteur et justement à propos des élections, il a dit que ces élections seront financées entièrement par les Républiques démocratiques du Congo et que la RDC n'a pas besoin d'appui extérieur. Et ce qui continue encore à rêver, la RDC, le cap maintenu pour décembre 2018, pour les élections législatives, provinciales et présidentielles sont prévues. Joseph Kabila a commencé son discours pratiquement à 15h35 et l'a terminé à 16h25. Faites vous-même le calcul pour comprendre la quintessence mieux, donc pour comprendre l'importance de ce discours du président Joseph Kabila qui vient d'adresser dans son message adressé à la nation au travers des deux chambres du Parlement réunies en congrès. Très chers téléspectateurs, nous en sommes fiers parce que nous, la RTNC, chaîne de grands événements, a été présente pour vous faire vivre en live cette importante cérémonie et je crois que chacun de vous a tiré des leçons du discours du président de la République, Tata Maomba. Ndio bwana Blaise Bokokia, baba taifa, anatoka hivi kusoma hotuba. Anaweza hivi kujulisha mambo mengi kuelekea maisha za taifa, ikiwa kuhusu siasa, usalama, jamii, uchumi na kadhalika. Anaweza hivi kuishia na kujulisha ya kwamba kwa nguvu pia msaada Mwenyezi Mungu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaishi kamwe kama vile taifa katika uhuru pia maendeleo. Yote hiyo aliweza hivi kualika wakongomani rais wa jamhuri ya kwamba kutegemea uchaguzi kuendelea hivi kufungua macho na kujulisha kwamba uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itategemewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa yote kupitikana vizuri zaidi, amani, ukimya kudumu. Ndio kifupi cha hotuba aliyosoma rais wa jamhuri bwana Joseph Kabila. Ndio ametoka sasa pamoja na mkewe bibi Olive Lembe Kabila. Ni furaha kubwa kwa wakongomani ambao wamefurahi namna gani aliweza hivi kutegemea mambo mengi za maendeleo nchini, enzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uhuru, na vile vile kujulisha kwamba uchaguzi itafanyika katika amani na ukimya. Aliishia na kujulisha kwamba kwa nguvu pia msaada Mwenyezi Mungu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaishi kamwe kama vile taifa huru pia katika maendeleo makubwa.